La nouvelle tragique a été confirmée par nos confrères de l'AFP. Le corps découvert le jeudi 12 octobre dernier a été formellement identifié comme étant celui de Marwan Bereni, célèbre pour son rôle en tant qu'Abdel Fedallah dans la série « Plus belle la vie ». L'acteur était recherché par les autorités policières depuis plusieurs semaines à la suite d'un accident de voiture survenu le 3 août dernier à Mâcon, en Saône-et-Loire, aux alentours de 23 heures, devant l'établissement nocturne, le Club 400. Comme certains craignaient, le corps de Marwan Bereni a été retrouvé sans vie dans une maison abandonnée à Corcelles-en-Beaujolais, située en Auvergne-Rhône-Alpes, soit à environ 6 km du lieu où la voiture de l'acteur Marwan Bereni avait été découverte, comme l'ont rapporté nos confrères de BFM TV. Le vendredi 13 octobre, l'agence France Presse a diffusé un communiqué à 11h25 indiquant « Disparition de Marwan Bereni. Un corps a été découvert pendu avec les papiers de l'acteur. » L'AFP ajoutait que « Un corps pendu a été découvert jeudi dans une ferme abandonnée de Corcelles-en-Beaujolais, dans le Rhône, avec une sacoche contenant des documents d'identité de l'acteur Marwan Bereni, porté disparu depuis 2 mois, a annoncé la procureure de Villefranche-sur-Saône. Dans un communiqué officiel, le parquet a énoncé que « les constatations effectuées ont conduit à la découverte, à proximité du corps, d'une sacoche de type banane, dans laquelle se trouvaient notamment la carte d'identité, une carte bancaire et le permis de conduire de Marwan Bereni, dont la disparition avait été signalée le 3 août 2023. Une autopsie a été diligentée en conséquence. Il est impératif de procéder à des prélèvements d'ADN en vue de les comparer en vue de l'identification du corps. En fonction de la nature des prélèvements à effectuer, les résultats des analyses devraient être obtenus dans un délai pouvant osciller entre 3 et 15 jours.